m'aurait emmené, alors je sais pas quel puits m'avait emmené, mais au petit matin, à 6h du matin, où t'as les mecs qui sont bien propres, qui se prenaient un petit café calvade avant de descendre dans le trou, et ceux qui remontaient avec le visage fatigué et les problèmes pulmonaires qu'on sait que malheureusement ce coup donnait. Et là, j'avais 18 ans, j'ai fait « Oh putain, là c'est pas la même ». Tu vois, toi t'es comédien, tu fais « Putain, j'ai vraiment un métier de nanti parce que... » Et les mecs adorables, j'ai parlé dans ce café avec eux, je suis même reparti, je te dis pas, « Bah, reprends un petit café calma ». Ah, ils m'ont allumé, c'était pas difficile, ils avaient plus d'habitude que moi. Et j'ai passé un moment merveilleux avec ces gens qui après m'ont invité à déjeuner et à comprendre et à voir ce travail, quoi, qui lorsqu'ils l'ont perdu, d'ailleurs c'était parce que c'était tellement de père en fils de famille, mais que ce travail était dur, quelque part, heureusement que ça s'est arrêté, parce que tellement de gens mouraient à l'âge de 50 ans, mais trop jeune, quoi. Mais voilà, donc j'ai ces souvenirs à Lille il y a une quarantaine d'années maintenant, mais qui sont d'excellents souvenirs. Merci à vous tous. C'est toujours un bonheur d'être là. Merci à Yolanda, merci à Patrick, merci pour votre authenticité. Et je vous dis à très bientôt. Et on va libérer la scène, bien sûr, pour la suite.